Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de recevoir un colis de ma petite natte et je vais donc faire l'ouverture avec vous. Je viens de l'ouvrir pour pas galérer avec le scotch, le machin, le truc. Là, je suis en train de lui dire son premier merci. Et qu'elle aura le merci final après. À savoir si je filme ou pas. Donc, je suis en train de lui demander si elle m'a pas mis de petites culottes ou autre chose à l'intérieur que je ne pourrais montrer en vidéo. Bon, ça c'était petit aparté. Allez, on y va. Alors, ouverture. Oh là là, ça. Oh! Ah bah ça commence bien. J'ai le droit à un truc bizarre hein, qui ressemblerait étrangement à un flamant rose poulpe. De style de nature steampunk. Et une tête qui, j'avoue, est assez bizarre. Bref, voilà la bête. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, c'est moi qui ai peur cette fois. Elle me dit qu'il doit y avoir des intrus. Là, il y a David Vincent à l'intérieur. Donc, découpe napperon engrenage, étiquette. Enfin bref, plein de choses. Nat quoi. Merci ma belle. Allez, hop. Alors, elle a fait un tour dans toutes les ATC que soi-disant elle me devait. Donc voilà. Jolie. Il y en a que. Ah ouais, elle date celle-là quand même, hein. Je ne pas dire parce que. Fait le 28-2-2021, c'est le jour de mon anniversaire quand même. T'as bientôt avoir un an de retard, t'as bientôt. Prépare-toi pour la prochaine. Donc, la nuit. Donc, un cadre, un moulage lune. Chasse tes rêves. Chase your dreams. Vous avez vu? M'améliore. Elle est trop belle. Hein. Je m'en souvenais même plus. Heureusement que tu notes, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'opère. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh là là! Ah ouais, t'as rattrapé le temps perdu avec la pelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de la toile de jute. Autocollante. Alors ça, c'est de la balle. C'est génial. C'est long. Ouais, t'as encore trouvé ça chez Mameus, hein? Comme d'hab. Trop cool. Bon, alors déjà qu'avant, j'avais pas de place. Mais alors là. Ah ouais, non, mais carrément. Ah, mais au secours. Hein. Bon, ça va, c'est bon. T'as rattrapé ton retard. Alors. Pendant longtemps, Nat me disait, ouais, j'ai pas d'ATC de ma fruit et tout. Donc là, ça va, elle a quelques PL, des ATC, c'est bon, elle en a. Si bien qu'on avait fait machine arrière, c'est moi qui n'en avais pas. Je crois que là, ça. Je m'en souviens. Ah ouais, non, mais alors là, tu m'as carrément mis la totale, hein. La totale. Donc là, elle avait repris toutes les ATC qu'elle avait pu faire avec les échanges qui étaient convenus. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, nous avons l'Inquisition. Imagine. C'est quoi celui-là? Avril.
ça c'est le siphon. Trop drôle ton bonhomme. Hein. Non mais au secours. Hein. Non mais. Nat, qui fait ça? Elle devait être malade ce jour. Je pense qu'elle devait être malade. Un loup-garou et joyeux Noël. Elle nous flatte bien. Joyeux Noël. Ça doit faire partie des intrus, à mon avis, celui-là. Hein? Ouais, je pense. Alors, est-ce que vous allez les voir comme il faut? Donc, l'Inquisition. Elle les avait montrés sur sa chaîne. Hein, parce que celui-là, il est d'avril. Avril, avril. Avril. Bah, ils sont tous d'avril. T'étais productive hein, au mois d'avril. Ici. Alors, c'est qui? C'est quoi ça? Bah, il n'y a pas de titre. Alors, comme ça, débrouille-toi avec ça. Hein. Et du mois d'avril, mais 2020 cette fois. Un siphon. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'a marqué? Symphonie. Oh, bah, oui. Pas celle-là. Symphonie. Little Boy. Monstre. Monster. Et donc, joyeux Noël. Hey, c'est la seule. Hein. C'était bonne blague. Symphonie, c'est pareil. C'est 1 sur 1. Celle-là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Ah si, 4 sur 8, pardon. Autant pour moi. Merci, Mathie. Bon, bah, ça m'en fait une complète. C'est bien en plus, déjà dans la pochette. Nickel. Alors ici, on a un fond texture, comment t'as appelé ça? Sombre désir. Des choses bizarres qui se passent sur tes trucs. Là, je sais pas ce que c'est, ça fait comme des écailles, des coquilles d'œufs. Je ne sais pas ce que tu as mis là-dessus, mais il y a un mélange de matière. Super. Il y a des feuilles, il y a des vraies feuilles. Ah, c'est une vraie feuille. Tamponné sur des feuilles. Bon après certainement que tu as fait un peu comme moi chauffer au maximum les matières pour que ça réagisse. Génial. Trop belle. Ah, je sais pas si vous d'ailleurs. Oh, c'est quoi cette... Ah oui. Ouh la sale bête. Les fonds tampons de chez Nose. Non. Bon, ça arrive trop tard, mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Ou de toute façon, il n'y a pas besoin d'être Halloween pour y mettre des toiles d'araignée. Mais elle est trop belle. Donc tout plein de merci, ma belle. Voilà. Je t'en foutre moi des intrus. Hein? Ouais. Tu sais de quoi je parle. Tu dois être morte de rire là comme t'es là. Alors ici, on a. Qu'est-ce qu'on a donc? Oh, c'est joli ça. Donc c'est une grande page de papier. Papier, papier, papier. Bon, y a pas. C'est pas du papier de riz, c'est pas du. C'est. Trop beau. Je veux faire des découpes, elles sont super grandes. À la limite pour mettre sur du art journal. Super, franchement, tu me les avais montrées, mais donc là, c'est du papier tissu.
Waouh. Trop beau. Donc c'est du papier pour le art journal. Donc on a celui-là. Bon, c'est enfantin, mais bon, il y a des petites choses qui peuvent être retravaillées et amenées à voilà, des coupes là ici, des fleurs, morceaux de pages de livres ici. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut. Ah, c'est marrant parce que celui-là, je l'ai en super grand. C'est-à-dire que là, ce qui représente là, moi, c'est sur une moitié de page. Alors ensuite, ensuite, waouh! Donc c'est tout des papiers à découper. Hein, donc là. On a des dames, des ombrelles, des chaussures. Trop beau. Waouh. Ici. On en a un autre du truc petit enfant. Que je les mette à plat. Là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc là, c'est pareil, c'est les papier tissu. Magnifique. Donc on a des roses. Non, je sais pas ce que c'est comme fleur. Je sais pas si c'est marqué. Oh, magnifique. Hey, ils font des beaux papiers, hein. Waouh. L'orchidée. C'est chouette, celui-là. C'est trop beau. Merci, merci. Hop. T'es au courant, Nat, que ma vengeance sera terrible? T'es au courant de ça quand même? Alors, je vais pas me venger de ce que vous venez de voir, mais de ce que vous allez voir. Alors ensuite, on a une orgie de boutons. Waouh. Ah oui, je m'en souviens de cela. Je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est une orgie de boutons, des boutons, encore des boutons, plein de boutons. Voilà. Alors, elle avait, excusez-moi pour le bruit, c'est pas des boutons, c'est des perles, là. Je vais appeler ça des perles de toutes les couleurs, toutes les formes. Qui sont perforés, c'est génial pour faire des fermetures sur tout et n'importe quoi. C'est génial. Je manipule pas trop parce que c'est pas bruit. Ici, ben nose, hein, des énormes boutons. Donc vichy vert. Pareil, là, vieux rose. Des passe-rubans bleus. Gros bouton rose, on a les mêmes ici, là des monstres roses et en rouge. C'est génial. Oh, je m'en souviens même plus qu'il y avait tout ça. Je savais que tu m'avais parlé de boutons, tu m'en avais montré. Alors c'est pareil, elle a fait, c'était, parce qu'en fait c'est un colis qui traîne depuis longtemps. Avec Nat, on a décidé que on s'en faisait moins, mais à chaque fois c'est des monstres quoi. Donc là, elle m'a fait
C'est vrai que Nat allait régulièrement chez Emmaüs et elle était tombée sur un lot de coton à broder, truc de tapisserie à broder, hein. Et donc il y avait tous les fils qui allaient avec, hein. Donc bah, elle m'a fait un échantillon de tout ça, mais ce que vous voyez là, ce n'est qu'une infime partie, c'est rien du tout, hein. Donc on a toutes les couleurs, hein. Je ne sais pas où les détailler. Ici, du genre de petite cordelette, un fil assez épais. Génial. Pour coudre éventuellement les junk. Super. Là, sur des vieilles plaquettes d'antan, des fils à repriser. Alors, bleu, vert. On a partout. La laine Saint-Pierre. Fabrication française. Pour repriser. Et c'était à Lyon. Voilà. Merci, merci. Heureusement que tu vas beaucoup moins chez Emmaüs, hein, parce que sinon j'ai plus de place, moi. Ici. Oh, qu'est-ce donc? Un holographe. Yep, yep. Ouais, c'est de l'encre à alcool, hein, tout simplement. Donc de couleur rouge. Ah non, raté. C'est orange. Voilà. N'importe quoi. Ici, nous avons. Alors, c'est pareil. Chez Noz, nous avions trouvé un nombre incalculable de feutres à alcool de la marque Spectrum. Des graphiques Spectrum noirs. Donc ben voilà, hein, alors j'ai les boîtes, mais à l'intérieur j'ai une couleur de chaque. Donc j'ai 5 boîtes. Pas tous vous les montrer, hein. C'est pas forcément la couleur qui est là, mais il y avait trois de chaque, enfin trois modèles identiques par boîte, et moi j'en ai trouvé, je lui en ai envoyé, et elle pareil. Donc je commence à avoir une belle petite collection, hein. Merci, merci. La même chose pour les crayons aquarellables. C'est pareil, hein, elle a fait un mix des couleurs. Donc on a du marron, on a du vert. Merci, merci. Non, non, je ne le mettrai qu'à, je ne n'en parlerai qu'à la fin de cette horrible chose que tu m'as mise dans le carton. Du papier décopatch, hein, il est super beau. J'en ai. Je suis retombée dessus. Et je pense jamais à utiliser ces papiers. Voilà. Donc toujours chez Noz, hein. Des pochoirs. Ah ouais, chouette. Donc les arrivages Aladdin, un pochoir. Donc elle m'a mis celui-là. Des casés arts, des tâches chouette. Merci tout plein. Là, on a deux immenses pochoirs, donc avec des chevrons et puis des carrés, des lignes, des ronds et des grosses taches.
Et ici, le Dyes English Garden. Avec c'est surtout pour ça que je lui ai demandé de me le prendre, parce que je l'ai pas trouvé. Mais elle est chouette, hein, la découpe est très très jolie. Merci, merci. Bon, va falloir que je vous montre l'horrible chose qu'elle m'a mis dans mon colis. La vilaine. Ah, quelle drôle de texture. Oh, c'est. Oh. Alors déjà que c'est pas beau. Hein. Mais alors, je vous assure que la texture, c'est. Tu vois ce que je lui fais à la licorne? Oh. Non mais au secours. T'es quand même au courant que tu es en train de me faire ma collection en licorne. Tu sais ce qui t'est arrivé la dernière fois que tu m'as envoyé une licorne? T'es au courant? Non mais Nat. Mais même pas ça se mange en plus. Je sais pas, ça aurait pu être une licorne guimauve, moi je l'aurais mangée. Mais non. Ah, c'est dégueulasse. Si. Ah, regardez. Ça va aller vite, hein. Quoi, je sais pas quoi. Bizarre. Au secours. Donc voilà, le colis de Nat. Je ne te dis pas merci au fait. Hein? Rien que pour ça, je ne sais pas si tu vas avoir ton deuxième merci. Bon, blague à part. Je te fais tout plein de bisous. Et puis, ouais, on va en parler de la bête. C'est trop drôle finalement. Si, ça va être mon antidépresseur. J'ai arrêté les antidépresseurs. Caché, ça va être mon antidépresseur. Pardon. Faut pas martyriser les animaux, peut-être. Ah, bah tant pis. Allez, je vous fais des bisous. Merci, ma belle, pour tout ça. Et puis, je te discute là, dans 2 secondes en direct. Hein? Allez! Bye!